Nous voici donc arrivés à Chièvre. Donc là, Marine est partie déposer son vélo et elle est rentrée dans l'eau. Et donc là, je vais prendre le départ pour voir un peu comment ça va se passer dans la natation. Donc ici, elle fait un triathlon promo. Donc 500 mètres de natation, 22 à vélo et 5 à pied. Et je vous montre quelques petites images. Ici, j'essaie de trouver une petite place au bord de l'eau histoire de filmer et de faire quelques photos. Hop. Je pense que j'ai trouvé, je vais me mettre genre, là. Là, je vais me mettre là et ainsi. Pour faire des photos, je pense que ce sera vraiment le top. Même pour filmer un petit peu. Donc, voilà. Donc, ça va être une belle petite compète. Donc voilà, départ dans à peu près 10 minutes, donc je vais changer d'objectif et puis, je vais commencer la série de photos pour le départ. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et là, 500 mètres de nage, je voudrais bien qu'elle fasse un peu en dessous des 10 minutes, ça serait vraiment top. Et 22 à vélo, tenir une petite moyenne de 30, ça serait cool, ça pourrait bien la motiver, on pourrait avoir quelque chose de sympa et pour les prochains, elle aurait déjà une base quoi. Et voilà. Le départ est donné, je vous place ici. J'espère que vous aurez une belle vue pour moi. Donc voilà, le départ était donné, ça a été un peu violent je pense pour 150 premiers partants, ils étaient vraiment bien groupés. Et là le premier est déjà de retour, donc je pense que ça va aller très vite sur la suite. J'attends de voir Marine. Donc Marine doit être dans le top 20, dans le gros top 20, et je crois qu'elle est deuxième femme, deux ou troisième femme c'est possible. Je vais essayer d'aller vite la voir à la transition, si elle n'a pas été plus rapide que moi. Bon, c'est parti, on va aller essayer de rejoindre Marine sur le parcours. J'espère que j'arriverai avant elle dans Chièvre, sinon je suis parti pour une séance photo. Bon, apparemment les premiers vont arriver dans quelques minutes. Allez, je fais une série de photos.
Allez, c'est reparti, là on va dans le centre de Cher. Marine vient de passer le 10e, je pense que c'est le 10e kilomètre, mais je suis même pas certain. Donc Marine vient de passer la dernière partie, là elle va revenir sur un circuit qu'elle connaît. Apparemment elle roule vraiment, elle a vraiment bien roulé parce qu'elle a dû remonter toutes les jeunes. Et donc là elle est, je pense, si j'ai bien vu, elle doit être première dame. Et Sophie est juste derrière, donc deuxième. Donc voilà, elle pourrait faire une. Pardon, elle pourrait faire une super place. Donc là maintenant je rentre dans Chièvre. Voilà. Je repars dans Chièvre, je vais essayer d'aller la voir et de l'encourager. Je n'ai pas de vélo et donc ça va être vraiment le top, parce que si j'avais eu mon vélo, ben, j'aurais pu la suivre et l'encourager, tant pis pour les photos. Mais donc voilà, donc, j'espère qu'elle fera une bonne course à pied en essayant de limiter les dégâts. Et ben voilà, je trouve que là maintenant elle peut faire une bonne course, ça serait vraiment top, je pense. Elle est bien préparée, elle est bien. Elle va être au top, donc ça va. Allez, on se rejoint tout de suite. Donc voilà, je viens de revenir sur le centre de Chièvre. Je me dirigeais vers la ligne d'arrivée et leur départ à pied, mais je pense que j'ai raté Marine. C'était vraiment pas super bien indiqué pour revenir sur Chièvre. Ils ont bloqué pas mal de rues. Bon bah tant mieux pour les coureurs, malheureusement pour nous c'est pas exceptionnel. Mais bon, enfin voilà, donc je retourne sur le centre de Chièvre et je vais essayer d'aller voir Marine. Je pense qu'elle est première dame après le vélo. On verra. Allez, courage, hein. Allez. Top ça. Allez, continue à bloc. Donc nous voici à 300-400 mètres de l'arrivée. Et pour le moment, je n'ai aucune dame qui est arrivée. Donc si ça reste inchangé, Marine pourrait finir première. Donc nous voici rentrés à la maison après le triathlon de Chièvre de Marine. Elle réalise la quatrième place, quatrième temps au scratch. Elle a le troisième temps natation, le premier temps vélo. Elle réalise une très très belle performance, en tout cas à vélo elle a presque tenu le 30 de moyenne. Elle fait le premier temps. En natation elle fait 9 minutes pour boucler les 500 mètres. Là elle sort 3, mais vraiment paquet sur la 1 et 2. Et voilà, donc à pied, aussi une très belle amélioration, elle fait 27 minutes. D'habitude elle tourne plutôt entre 29 et 30, donc là elle est vraiment contente. Donc voilà, c'est un très beau triathlon à Chièvre qui s'achève sur un excellent résultat. Donc voilà, on se retrouve très vite. Prête parce que j'ai une note quand je croque 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 de coco, je croque 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 de coco, je croque de coco.